La 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 boum, la 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 boum. Oh, la porte. Oui. Voilà, c'est Cyril. Qui est-ce? C'est moi, c'est Cyril. Oh, quelle bonne visite. Ah, regarde ce que je t'ai amené. Wow, c'est beau. C'est beau, hein? C'est plein de couleurs. Ça donne envie, ça donne faim. Plein de couleurs. Waouh. Et voilà. Ça m'a donné soif, toutes ces friandises. Alors, Marmotte, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour nos deux finalistes? Bah, moi, le conseil que je peux leur donner, Cyril, c'est de s'amuser, voilà. Comme moi, là, maintenant, je m'amuse. C'est parti pour cette grande finale. D'un côté, nous avons Arnold, un jeune pâtissier de 24 ans. Il y a une chose de sûre, moi, je suis là pour gagner. La pâtisserie, je fais ça depuis que je suis tout petit. J'ai commencé avec ma mère, qui... D'ailleurs, maman, si tu m'entends de là où t'es... J'espère que t'es fière. Pardon. Faut que je l'appelle. Maman, où était là-bas? Oui, j'ai pris ton goûter et puis... Et de l'autre côté, nous avons Ludovic, un boulanger de 27 ans, prêt à tout pour remporter l'émission. Donc j'ai deux passions dans la vie, le curling et la pâtisserie. Niveau pâtisserie, il n'y a pas à dire, je suis très innovant, j'ai par exemple toute une gamme d'éclairs au chocolat à la viande. C'est de l'embryon de bœuf, donc prélevé in utero à la main, hein, sans gants, évidemment. Donc ça, ça fait des ravages, hein. À chaque kermesse, j'en vends des tonnes et des tonnes, c'est une valeur sûre. Donc est-ce que ici j'ai des choses à prouver? Non. Est-ce que je vais gagner? Oui. Est-ce que je suis prêt à tout pour réussir? Évidemment. Et est-ce que j'ai envie d'uriner? Un tout petit peu. Alors avant de commencer, est-ce que ça te dit, Marmotte, de goûter à ces petits macarons? Oh oui, Cyril, vas-y, mâche-moi un macaron. Alors par contre, Marmotte, elle ne peut pas manger normalement. C'est moi qui suis obligé de pré-mâcher pour elle à cause de ses dents. Hein, tu es prête? Du bon chocolat. Et l'avale pas, c'est à moi, Cyril. Et voilà. À moi, à moi. Oh. Et un peu d'eau. Eh ben écoute, Marmotte, ça m'a fait plaisir parce que ça t'a fait plaisir, tout Cyril, simplement. Pour l'instant, c'est toi le grand gagnant de l'émission. Pour l'instant, c'est moi le gagnant. Ouais, et super. Oh là! Oh là, il s'est fait mal! Oh bah, venez l'aider! Il s'est fait mal! Ah, Cyril, ça va? Oh, bah non, ça va pas trop. Tu veux de l'eau? Oh, je veux bien. Bon, viens là. Mais bouge pas que je vise ta bouche. Voilà, voilà. Encore! Encore! J'en ai pas assez, Marmotte. Attends, ça vient. Cyril Lagnac et Marmotte vont maintenant annoncer à nos candidats la recette qu'il va falloir réaliser. Alors les garçons, pour cette grande finale, vous allez devoir réaliser une revisite de la tarte aux fraises revisitée. Vous avez 1 minute et 4 secondes. Oui, alors attention les garçons, c'est très court. Alors réfléchissez, ne faites pas d'erreurs bêtes et inutiles. Hein, comme Éléonore qui avait raté de peu la finale. C'est vrai. C'est très bête ça. Hein. Alors Éléonore, si tu veux aller en finale, il va falloir que tu choisisses entre ces deux grappes. Une est un fruit, l'autre est du poison. Attention Éléonore, c'est très difficile de savoir lequel est le bon. Choisis bien. Il faut bien choisir, sinon adieu la finale. Adieu tout court. Et tant pis. Et ben voilà. C'est des choses qui arrivent à un marmotte. Et oui, c'est la finale, c'est comme ça. C'est triste. Allez, aidez-moi! Éléonore restera à jamais dans nos cœurs. Attention, marmotte, tu es prête? Et c'est parti! Il n'y a plus une seconde à perdre. Nos finalistes doivent tout donner. Arnold a l'air plutôt confiant, ce qui n'est pas le cas de Ludovic. Cyril et Marmotte décident d'aller le voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Hein? Qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai fait une sorte de... Je me suis inspiré de la forme de la teub. Oh, j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est marrant, ça te ressemble, Marmotte. Hein? Ouais, c'est vrai, regarde, on voit les yeux, le nez. Alors, Ludo, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour terminer ton gâteau? Bah, là, tout simplement, là, en fait, je vais juste mettre un peu de chantilly sur le bout du blanc. Oh, j'adore la chantilly, c'est super. Putain, bon. Pourquoi t'as cassé ce que j'ai fait? Pourquoi t'as cassé ce que j'ai fait? Pourquoi tu me respectes pas? Attends, attends, Cyril, c'est entre nous, Cyril. Attends. Pourquoi tu t'excuses pas? Excuse-toi. Ça va. À genoux. Mets-toi à genoux. Excuse-toi. Arrête ça, putain. C'est quoi ton problème, Catin? Ça va, candidat. Allez, debout. Oula. Sacré caractère. Alors, Ludo, comment te dire? Alors, déjà, j'ai de la chantilly partout. Ça, c'est casse-couille. En plus, c'était un peu trop. Voilà, c'était disproportionné la réaction. Non, mais attends, disproportionné, c'est elle disproportionné, t'as vu comment elle se comporte? Elle touche à ma chantilly, là, j'ai tout à refaire, là. Tout ça, à la poubelle. Après ce moment gênant, Cyril et Marmotte se dirigent vers Arnold. Ludovic a l'air jaloux de son voisin. Ah, c'est très très beau tout ça. Ça sent les oiseaux. Merci, c'est gentil. Alors, si je puis me permettre, un autre, c'est très très beau, ça sent super bon, et moi, je vais rajouter un peu de poil de cul. Pardon. C'est juste que ça me rappelle un souvenir de mon enfance. Mais pas de soucis, Arnold. Cyril en profite même pour blaguer. Oh, j'adore le chocolat. J'adore ça. J'adore. Pendant que le jury part en pause, Ludovic va tenter quelque chose.
De la cannelle, il manque de la cannelle. Tout va bien pour l'instant. Et dites-moi, Thierry, vous avez déjà embrassé une mamie? Ah non, jamais. Eh ben, arrêtez, vous pourrez être mon fils. Et... Petit-fils, marmotte. Hein, petit bah non, bah, vous avez quel âge? Ah, j'ai plus de 30 ans. Ah bah oui, du coup. Hop, petit dit-on. Il ne reste maintenant plus beaucoup de temps. Allez les garçons, allez, 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 allez les bleus, allez les bleus, j'adore le foot, allez les bleus. Le rythme ne cesse d'accélérer. Nos deux candidats sont à 200% et c'est dans ces moments-là que Marmotte aime blaguer. Quel Pokémon entre un chien et un oiseau? Ah, non. Non, pas. Alors, quel est le Pokémon entre un chien et un chat? Ah, ta gueule, non ta gueule Marmotte, ta gueule. Attention, 3, 2... 1, terminé! Terminé! On lève les bras! Alors, ce que nous avons là, Arnold. Waouh! C'est vraiment très joli. Waouh, waouh, waouh! Par oula. Contre, Ludo. Oula, ça, c'est pas beau, hein? C'est vraiment pas beau, quoi. On est resté au pas stade. J'ai pas envie de goûter. Ah, moi non plus. Ludovic est vexé. Alors, c'est pas très fair play, mais c'est pas interdit. C'est pas, oui, c'est pas interdit, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Ludovic décide de se réfugier dans la cuisine et d'allumer le gaz pour en finir. Alors ça, tu vois, Marmotte, mmh. C'est les petites fraises que je suis allé chercher ce matin. Non, j'aimerais tellement goûter. Ouais. Je peux m'en mâcher un petit peu. Ouais. J'ai hâte de goûter. Hop là. Hop, hop, hop. Ne se sentant pas à l'aise, Arnold décide d'aller voir Ludovic. Je viens d'avoir ma mère au téléphone et je pense qu'elle a raison. Je pense qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente, tu vois. Je sais pas, on est ensemble depuis le début de l'émission, on s'est créé une sorte de petite amitié quand même. Ouais. Ça serait con de gâcher tout ça pour une compétition de merde. Ce qui pourrait être cool, c'est par exemple de prendre l'argent de l'émission et je sais pas, de créer notre propre boulangerie. Ah ouais, la boule de pain de viande. Non, non, je choisis le nom. La petite boule de pain. Arrête avec ta viande, mec. C'est juste, on met pas de viande. Youhou, c'est mon anniversaire. C'est l'anniversaire de Marmotte. Allez, on va manger un bon gâteau. Allez, allume les bougies. Alors, juste... C'est vrai que je l'ai un peu cherché, hein. J'ai mis mon doigt dans la chantilly. Bon, ça, c'est vrai que ça se fait pas. Franchement, j'ai mérité ce que j'ai eu. Bon, la tête contre la table, ça c'était un peu trop. Mais comme on dit, qui aime bien châtie bien, hein. Ce que disait mon mari. Mon mari qui m'a quitté. Ouais. Avant-hier. Avec sa salope de secrétaire. Marie-Jeanne. Petite blonde avec des gros seins. Bon. La base, hein. Oh!